What's up, gens d'internet? J'espère que vous allez bien. Je suis en compagnie de mon ami Debastour Jobili. Comment vas-tu, mon beau Jobili? Bien, toi? Moi, ça va super bien, Jobili. Aujourd'hui, on se retrouve sur iFactions, mon serveur à moi, les amis. Si vous ne connaissez pas, c'est quoi mon serveur, vu que je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés maintenant. C'est un serveur full premium 1.7, 1.8. Et en gros, vous devez farmer des émeraudes pour avoir des points et vous pouvez être le plus fort du classement. Bon, je pense que ça va être un peu difficile quand même. Mais bon voilà, dans cette série là, c'est ce qu'on fait avec Jubilee, on fait des base tours, on présente 3 bases à chaque épisode et on juge sur 10 la base et puis voilà, en gros on, des fois on laisse des petites récompenses dans les coffres, des trucs comme ça. Et puis si vous voulez avoir votre base présentée dans la vidéo, dans l'épisode, vous avez juste à aller dans les commentaires de cette vidéo, mettre votre pseudo, le nom de votre home et le nom de votre faction et un petit message gentil ou quoi que ce soit pour qu'on puisse en savoir un peu plus là, sur vous et tout. Donc Jubilee, ça c'est pas ta vraie note j'espère hein. 210, non, ok. Fait base. Parfait. Donc, on commence ici. C'est pas personne qui a laissé un commentaire. Celle-là, c'est un home qu'on a déjà présenté, qui ont beaucoup amélioré. Donc, je vais essayer de vous faire deviner quel home qu'on avait déjà présenté qui était comme ça. Je sais que ça va être assez facile pour certains d'entre vous, mais pour d'autres, peut-être pas. Donc, on a déjà fait une base tour de cette base, mais elle s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup changée. Presque 90% ont changé. Même Jubilee, je pense que tu t'en souviens même pas. Tu te souviens pas c'est quelle base? Ça me dit rien. Le gros, c'est celle avec le bar qu'il y avait, là, tu te souviens pas? C'est ça. Oh, check, oui. La stone, les trucs qui descendent encore. Juste qu'ils ont tout changé le système, ils ont vraiment tout bien aménagé ça, gros. Il y a tellement de choses à voir, pour la vidéo va vraiment être longue, donc soyez là avec nous, les amis. Donc, la forme à cactus qui est au-dessus, qui descend de quand même de... What? Ah, ça va jusqu'à la surface, gros. Ok, non, ils ont bouché. Perdu. Ils ont bouché, j'ai été jusqu'en haut. J'étais juste comme ils ont bouché. Je pensais que ça allait. Donc en gros, ils descendent ici, les cactus, ils s'en vont dans les hoopers. Les hoopers, ils s'en vont dans une salle pour les récolter qui sont juste. Non, ça c'est pas ça. C'est juste ici, voilà. Donc des petits escaliers qui descendent. Et là, ils ont toute la salle de récolte. Donc. Même pas, man. C'est une salle des coffres. The fuck? What the fuck? Ça s'en va là. Wow, je suis perdu, gros, hein. Ok, ça s'en va ici. Ok, j'ai trouvé. Ok, attends, je suis juste en train de regarder un peu vite fait, là. What the fuck? C'est crissement grand, ils ont des machines partout. Ça, c'est des golems. Ouais, là, ils ont genre plein de golems. Puis les golems, ils s'en vont comme ça. Là, il y a... C'est quoi, c'est ici? Fait que c'est ici, pour l'instant, il n'y a rien. De quoi c'est... Ah, ok, le trou d'eau. Petit trou d'eau, et là... Ah ouais, c'est tous les trucs. Ok. Donc ici, on a les cactus seulement, j'imagine, right? Ouais. Juste les cactus. Ils sont là. Ouais, ils sont là dans le coffre ici. Ah ouais. Ok, au moins on a compris ça. Ensuite, ils remontent. Ils ont quoi ici? Ils ont des coffres avec des. Ouais, des trucs normaux. Ici, c'est quoi? L'émeraude et 6 PD. Donc là, ça doit être tout leur truc d'émeraude qu'ils mettent ici. Ici, c'est une mine en construction, j'imagine. Parce que regarde, ils ont fait un genre de truc de construction. Fait que ouais, c'est en construction ici. Sur le côté. Oh, c'est pas pire quand même. Ouais, t'as vu ça? Sur le côté ici, ça monte, une grotte, y'a-t-il quelque chose au bout? Non, c'est juste une mine, qui, une grotte qui ont aménagé, qui sont en train de travailler, j'imagine, dessus. Même chose pour l'autre côté ici, je présume. Oui, voilà. C'est la première fois que j'utilise ce mot-là dans une de mes vidéos. Des enclumes. Présumé. Ouais, c'est la première fois que je dis, on... ah, je présume ou quelque chose comme ça. Ensuite, ici, c'est quoi? Waouh. Des citrouilles, what? Y'a une machine aussi à citrouilles, est-ce que je comprends? Ouais, une machine automatique à citrouilles, juste ici. What the fuck? Mon dieu, c'est grand. Ouais, c'est grand, tabarnak, leur base, en fait. Ça, c'est les citrouilles. Qu'on descend, on continue ici, on a quoi? On a salle des coffres avec les trucs bien ici. Ouais, ici, c'est tous les trucs un peu plus bien. Ici, on peut descendre? Non, c'est juste un truc comme ça pour le fun. Sur le côté ici, on a d'autres enclumes avec spawner à blaze juste ici. Est-ce que j'ai compris? Machine à blaze, non? Oh my god, le nombre de spawners qui ont... 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 28. Ils ont environ une trentaine de spawners, les gars. Holy fuck. Et là, les blazes se remplissent, là. Ils meurent pas automatiquement, il faut qu'ils les farment eux-mêmes. Bonne machine, quand même. Il y a quatre côtés où ce qui se vide, c'est très, très bien fait. Ensuite, des coffres qui sont un peu mal placés. Table d'enchant qui est un peu mal placée, mais elle continue ici. What the fuck, ça monte ici. Puis là, whoop, là, c'est la FK pour les blazes, on peut voir. Exactement combien il y a de blaze en gros, c'est pour aller avec ça. Bonjour. T'as mon nom de famille. Bravo. Champion.
Hey, bravo mon ami. En plus, c'est même pas ça mon nom, mais c'est pas grave. Si vous voulez vraiment savoir mon nom, c'est comme ça. Mais bon, c'est pas grave. LOL. LOL, folks. C'est juste que ça, c'est mon nom sur Facebook, en fait. C'était juste pour me faire retrouver sur Facebook. Mais bon, t'es plus. C'est qui a mis des panneaux comme ça, Esti? Merci de Comme quoi? tuer les moutons. Merci de pas tuer les moutons. Ici, on. What the fuck? Mais gros, ils ont deux fermes à moutons qui font un L, genre. Avec mon cri. What the fuck? Ah, Ici. tu Là, cheats? tu viens-tu de ça? Ça te rappelle pas quelque Absolument chose? pas. Moi, ça me Non. rappelle. Donc, ici, c'est des formes de. Avec la tête de Nemis et de... Oh, Colin! De. Oh, Ça, fuck c'est off. beaucoup de tête, hein? Moi, je vois pas le man. Oui, tu What? y What the fuck? Chris, la base est fucking grande. On va venir de perdre genre 15 minutes sur cette petite base-là. Donc, on peut pas tout visiter vu que c'est vraiment grand, mais combien tu mettrais sur 10, toi? Je mettrai un beau 8. Moi, je mettrais un 8 sur 10 aussi parce que c'est vraiment grand. On se perd facilement, c'est trop grand, mais c'est vraiment bien aménagé. Fait que moi, je mettrais genre des panneaux ou des trucs pour bien. Ah, ça, je parle à Creeper. Pour bien indiquer, donc félicitations à vous les gars, puis on va passer directement à la prochaine base. À tout de suite. What's up, gens de l'internet, on se reprend. Donc, est-ce que tu as une idée? J'ai oublié, c'est la base à qui cette base-ci? C'est la base à Anton. Je me souviens plus du Hunton, mon nom, ami là, par Hunton. contre. Ah, c'est Hunton, écrit ici. ils ont aménagé un autre faille. Donc, ben, on va pas faire un épisode spécial faille, mais je trouvais que c'était vraiment stylé cette base-là avec Jubilee. C'est Jubilee qui me l'a présenté, puis j'avais envie de vous la présenter. Donc, on va commencer en haut, ça commence ici. Puis on descend sur un genre de petit pont dans la crevasse. On a des coffres, des coffres. En perso de Hunton. Ok, je suis en train de lire, excusez-moi les gars. Des coffres, des coffres. Champ de verrue. Ici, on a quoi vers la salle ultime des stuffs en diamant. Salle du plaisir. Oh, ok, c'est une salle pour fourrer, j'imagine. What the fuck? Ok, très mature Fanny HD. Salle des dés à coudre des MLG. Go, faut en faire un. T'es prête? Moi, je prends les laines rouges, tu prends la cobblestone. T'es prête? Okay. On va juste faire. Je commence. À toi. Faut pas que tu fasses des MLG, hein, tu savais? Peut-être que t'es calme, je t'allais penser de faire un MLG là. On sait jamais. Ok, voilà. J'ai fait un MLG avec le bloc MDR. J'ai posé le Chance que t'as bloc. le high legs. Ouais, sinon j'aurais crevé comme une estime de merde. En vrai, on pourrait mettre même le game mode, ça irait plus vite. Ok, je vais essayer de faire le dé à côté, t'es prête? Vas-y fort. Oui! Allez! Oui, t'as rien vu. T'as fait un? Oui. Ah ben j'ai gagné, bravo Jubilee. Vraiment, GG. vraiment pas bon, trop fort à être con dans ce jeu. Hop là, hop là, je suis coincé, calice. Alors Voilà. merci Jubilee. Bon, on va leur mettre leur laine, et puis on va continuer la base tour. Donc, on a quoi ici? Un Une petit belle table pont. d'enchantement. On a une table, peut-être, c'est la taille de qui ce full poulet j'imagine? C'est pas Jedi. Je sais pas. Je suis stylé. Oh, what? PK! Oh! Oh! Plein de PK. Donc, ensuite, Oui, on c'est continue. Jedi. On continue par ici. On a quoi? Y a-tu d'autres? Ça dévoile-tu quelque part d'autre? Ah oui, ça va par ici. Viens-t'en, viens-t'en. Trouver. Salle du plaisir de Anton et Web. Ce n'est pas une salle de tapette. What the fuck? C'est bien beau, man. What the fuck? C'est bien bien aménagé. What? T'as-tu vu ça? Non mais ça continue en bas. Check. C'est fucking bien fait, le gros. What the fuck? Ok, on a des esti de builders sur le serveur, en vrai, hein. On réalise pas, mais Chris, il y a des bons builders, gros. Checker ça, c'est fucking bien fait, là. Holy fuck, what the hell? Je Billy vient en plug DJ de la faction du premier long. C'est quoi? What? C'est quoi ça? Raconte toi, réouvre Sugarfight que je screen. What the fuck? Ils nous ont laissé des messages. C'est un vieux abonné en fait, Anton.
Il me suit depuis que j'ai à peu près 1000 abonnés. J'avais ouvert le serveur avec Eodam et Sousuite. Donc, il me suit depuis ce temps-là. C'est que ça fait grave longtemps. Ensuite, ça va de quel côté? Par là, ici. Il y a quoi? C'est marqué Salle Alchimie. Bon, qui font des potions ici, j'imagine. Ça descend ici. On a quoi? Ok, ça c'est un petit peu étrange. Attention, salle moins de 16. Oh, tabarnak! Oh, Jobili, tu veux-tu me faire une petite danse? Je vais m'asseoir et je vais te regarder. Oh, pelle. Jobili, je m'assois et je te regarde. Allez, danse, mon beau Jobili. Oh yeah, Jobili, un petit selfie avec la danseuse à poil. Oh yeah, Jobili. Bon, Jobili, on retourne à nos occupations. On doit finir cette vidéo. Donc, ok. Fils de pute, là. Ok, c'est bon, je vais commenter. Donc ici, on descend, on a salle des cibles de chasse. Donc là, ils chassent Goureg. Ok, intéressant. Salle des coffres, donc une petite salle des coffres. Des petits champs. De canne à sucre, un peu de tout. Donc voilà, c'est ce qui rappe un peu la vidéo. Sincèrement, Jobili, ta note sur 10. Un beau 9,5. C'est quoi ça? Ça l'amène à la surface? Check voir. Je voudrais pas monter à la Oui. surface. Ok. Ouais. On va pas monter parce qu'on veut pas montrer autour parce que peut-être que quelqu'un est déjà passé par ici. Sincèrement, j'oublie, je vais y aller avec un 9,8 moi. Parce que le seul petit problème, c'est que c'était 3 dans certaines escaliers. Mais sinon, franchement, là, c'est vraiment magnifique d'avoir 0. Genre, quand je parle des escaliers 3, c'est surtout ici. Ici, quand on descend. Regardez comment c'est 3. Genre, j'aime pas tellement ça. Mais bon, après, je veux dire. Son arbre est magnifique ici. Ouais, l'arbre est vraiment beau. Tout est vraiment beau. Sincèrement, 9 sur 8. C'est la meilleure note, je pense, qu'on a donnée. Hein, franchement. T'as pas donné un 10, toi? Ouais, mais combiné, genre toi puis moi combiné, je pense que c'est la meilleure, right? Au Ouais. total. Fait que sur ce, les amis, en fait, ça fait 20, je pense, right? Ouais, ça fait 20,1. Comme, genre, c'est une note parfaite, quoi. En gros. Non. Ben 9,8 oui. plus 9,5. Ah, ouais, c'est C'est vrai. genre 19. Ça fait 19,90. Ça fait 19,8, je crois. En tout cas, c'est pas, je sais pas compter. Bref, je sais pas compter. Pardonnez-moi, les amis. Donc, sur ce, on se reprend pour la troisième et dernière base aujourd'hui, les amis. Et yop, les gars, on se reprend pour la troisième base. Donc, on y va dans le même thème aujourd'hui, des grottes aménagées. Le prochain thème, les amis, Jubilee, qu'est-ce que tu penses que ça va être le prochain thème? Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens, genre, oh, faites un thème, puis dans genre 2-3 épisodes, le temps de vous faire votre base, ben, on va regarder juste ce thème, ce genre de thème-là. Genre, t'aurais pas une idée de thème que toi tu préfères, pour exemple, que ça soit le plus proche possible du 10 sur 10, mettons, pour un petit conseil que tu leur donnerais, par exemple. Un thème désert, ça serait le fun. Je suis totalement d'accord, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu de thème désert, en vrai. Si vous faites une base thème désert, dites-nous dans les commentaires, mettez-le. Oh, nous, on a fait une base thème désert, ça va me donner plus envie de présenter aujourd'hui. Les bases qu'on présente, les amis, c'est des bases qui n'ont pas laissé de commentaires. Pourquoi? C'est très simple, parce qu'on a une autre vidéo qui va arriver ben, avec les commentaires de la dernière vidéo. On voulait vraiment faire une petite vidéo aujourd'hui spéciale grotte. Donc, on est dans la base de je sais pas qui, mais on a une grotte aménagée. Une grotte, on dit ça, une cave aménagée ou une faille aménagée. On met des arbres, beaucoup de décorations de cocaïne, etc. Dehors, beaucoup de citrouilles aussi, de melons. C'est vraiment petit, mais c'est quand même bien aménagé. Beaucoup de verdure. Ouais, beaucoup de verdure surtout. Ouais, très d'accord avec toi. Beaucoup de feuillage, j'allais dire moi perso, mais c'est un peu la même chose. Donc beaucoup de verdure, ils ont un spawner à blaze ici. J'imagine. Ouais, ils ont genre une salle du Nether juste au-dessus. On peut pas y aller, je pense. Attends. Ouais, c'est ça. Oh my god, gros, viens voir les spawner pions. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Compte voir vite fait, je sais pas compter. Holy fuck. 16, 20, 24, 30, 36. What the fucking hell, dude. Aujourd'hui, on a vu en moyenne 100 spawners à Golem. Avec les À deux. blitz. À Blaze, ouais. Avec tous les trucs qui étaient faits. Wapalai. Wapalai. Wapalai, j'ai perdu la base, gros. Oh non. Oh Non, je pense qu'on est deux. non. Oh Dans non. sa ballon. Tac. Je suis coincé, esti. Ok, j'attends de me TP à toi, j'oublie. TP, j'oublie. TP toi, attends. Oh mon père. Bon. Voilà, voilà. Donc, ben, je pense que ça va terminer notre épisode aujourd'hui. C'est vraiment petit la base. Donc, moi, personnellement, je vais commencer si ça dérange pas trop avec ma note de 10 sur 5. De 5 sur 10, plutôt, excusez-moi. Comme j'ai dit, c'est très petit, mais c'est très bien fait. Donc, je pense que si ça serait un peu plus grand, ça serait vraiment magnifique. So, si tu nous écoutes, t'écoutes cette vidéo-là, tu continues ta base un peu. On peut repasser dans quelques temps, comme on a fait avec la première base que vous avez vue dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc, voilà, moi, je te donne cette note de 5 sur 10. Et Jubilee va te donner la note suivante. 8 sur 10. Pourquoi 8 sur 10, j'oublie? J'aime beaucoup le contraste gris-vert.
Et franchement, je trouve que leur feuillage puis tout, c'est bien fait parce que c'est pas dans les jambes, mais ça décore super bien, genre. Je sais pas si tu comprends, genre, on peut bien se déplacer, etc. Mais on a quand même beaucoup, puis ça rend, ça fait son côté vert, ça fait le mode, le petit garçon écolo. Donc sur ce, les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est cool, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo de Basse Tour, et demain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Akond, et je Billy, je te laisse le mot de la fin. Au revoir.